Mr. Sandman. Yes. Là, on est au Phonomuseum de Paris, 53 boulevard de Rochechouart. C'est un lieu où il y a tout le condensé de l'enregistrement sonore depuis la naissance, ça veut dire 1857. C'est la première fois qu'on a réussi à enregistrer. Mais ce qui est amusant, on a réussi à enregistrer, mais pas lire. Et après, il y a toute l'évolution. 1877, Thomas Edison. Il y a toute l'aventure avec l'exposition universelle, 1889. Les appareils, alors c'est amusant parce que les appareils au début, c'était prévu comme un dictaphone. Ils n'ont pas pensé du tout à aucun moment que ça sera quelque chose d'intéressant pour la musique. Parce que c'était inconcevable d'écouter quelqu'un ou écouter un orchestre ou un chanteur sans le voir. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui prend le dessus, c'est l'écoute musicale. On enregistre très peu, on utilise très peu les appareils de dictaphone. Oui, ça reste là, mais c'est anecdotique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au musée, on voit toute l'évolution, toutes les machines, la plus ancienne, et on écoute aussi, parce que c'est ça, c'est les voir, c'est pas suffisant. On ne peut pas expliquer à quelqu'un que le cylindre, c'était comme ci, comme ça, que ce n'était pas facile, que le son était un peu déformé, sans écouter les morceaux. Et ça, c'est ça ce qui est intéressant, qu'on a l'écoute de chaque époque, ça veut dire le cylindre, après le disque 78 tours, après on arrive au micro-sillon, l'évolution, le compact disque. Alors on ne fait pas écouter le compact disque parce qu'on estime que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas intrigant, parce que le compact disque, il n'y a pas le côté visuel. Mais ce qui reste toujours intéressant, c'est l'écoute musicale et l'enregistrement et la restitution. Parce que tout le monde écoute de la musique et très peu de gens connaissent l'histoire. Et souvent, ce qui est intéressant avec le piano, avec n'importe quelle autre interprétation sur un vrai instrument, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a rien qui peut concurrencier la vraie interprétation, la vraie, voilà, le vrai jeu, la musique vivante. L'enregistrement ne la remplace jamais.